Vas-y ta gueule Snoop, va te faire cuire le cul. Laisse place au vrai MC, les mythos on n'en veut plus. T'as trop fait le gangster avec ce PD de Dre. J'kiffe le West Coast Sound mais là vous me filez la diarrhée. Vos clips à franc deux avec des bitches dans tous les coins. Tout ça pour vendre plus de disques, hein. C'est malin d'ailleurs en parlant de ça. J'aurais bien voulu savoir. Comment vous faites-vous dans vous occuper de toute cette partie pour vérifier, parce qu'on entend tout le temps les malversations dès qu'on construit des immeubles, vérifier que tout se fait dans les règles de l'art, qu'il n'y en a pas. Parce que premièrement, déjà que les appels d'offres, les trucs comme. On nous a dit que les appels d'offres c'était très dur déjà. Oui, moi je suis pas aux appels d'offres, je ne vais pas m'en occuper. Donc ça c'est pas vous. C'est pas moi. Et après, comment on fait? Dès que moi j'ai l'appel d'offres qui a été. J'ai contact avec les entreprises, ça passe au conseil municipal, il y a une fiche technique qui est faite, on détermine le financement, etc. Une fois que l'appel d'offres est terminé, Jean Chauro, qu'est-ce qu'il fait? Quand un chantier démarre, il se met la caisse, le casque, les bottes et il va sur le chantier. Voilà. Un jour, je suis allé à. Là, c'est vérifier que le chantier se passe bien, oui. Mais que. Comment vous faites pour savoir s'il n'y a pas des tractations entre quelqu'un de votre équipe? Non. Je vous donne un exemple. Le San Maurice David, je suis allé un jour comme ça visiter le San Maurice David. J'ouvre les vestiaires et les douches et je vois que la pente était à l'envers du collecteur. J'ai fait tout casser. Voilà. J'ai fait tout casser et c'est comme ça que ça marche. Et moi, je suis intransigeant sur la qualité des travaux. Et oui, la qualité des travaux, mais là, vous ne répondez pas à ma question. C'est sur. Quoi, question. La question, c'est vraiment comment, par exemple, des personnes lambda comme moi peuvent savoir si je dis, je veux faire construire un immeuble prenez, là. Vous voulez faire votre villa, vous prenez un architecte. On prend un architecte, ouais. Mais au niveau du fait qu'il n'y a pas quelqu'un au passage qui se dise, à chaque fois qu'on va construire, dès qu'on fait des grands travaux, Il y a un contrôle de l'exécution et il y a un procès verbal de réception des travaux. Les gens ne vont pas traquer au niveau de l'argent à l'intérieur. Des grands travaux, mais je ne suis pas seul. J'ai des ingénieurs, j'ai ceci, cela, qui sont fonctionnaires de la mairie. Et je peux vous dire que ce sont d'excellents fonctionnaires, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils m'appellent, on trouve des accords, etc. Mais ils sont obligatoirement intègres, vous vérifiez leur intégrité, vérifiez... Non, mais là quand vous employez le mot intégrité... C'est ça qui est dur, c'est comment est-ce que vous pouvez vérifier si quelqu'un... Dans le moins, quand je vais faire une réception, j'ai avec moi tous mes ingénieurs qui viennent avec moi. Et si j'ai un doute, je fais venir quelqu'un d'autre. Il y a ce côté, il y a tout un tas de personnes qui sont là et qui font très bien leur boulot. Si vous pensez que, d'après ce qu'on dit, l'intégrité de certains serait en doute, etc. Dans un cadre général, parce que ça intrigue, je pense, 80... Et il y a les pénalités de retard. Si les types ne terminent pas le chantier... Ça, comme partout, là. Ah, partout. Mais moi, je les applique. Je focalise sur le côté financier de l'affaire. Financier, d'abord. C'est comment, par exemple, si moi, je suis promoteur, qu'est-ce qui... D'abord, si vous êtes promoteur, si vous voulez construire, est-ce que j'ai plus de chance ou pas? Comment vous vérifiez que dans toutes vos équipes, il n'y ait pas une brebis galeuse ou quelque chose comme ça? Non, les appels d'offres, je ne m'en occupe pas. Les appels d'offres, c'est tout. Les brebis galeuses, je les sens de loin. Je les mets à la porte. Ouais. C'est clair, net et précis. Alors, quel est votre secret pour sentir c'est l'expérience, le vois, hein. Moi, je ne suis pas arrivé au monde comme ça. Hein. J'ai bâti des mètres carrés de construction, j'ai bâti des cliniques, des maisons de retraite. Je suis habitué à tout ce transport. Petite question, qu'est-ce qui est plus dur pour vous personnellement? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Gérer au niveau du privé ou du public J'avais une expérience du privé, j'ai une nouvelle expérience du public qui m'emballe. Parce que je mets ce que j'ai acquis de connaissances du privé dans le public et ça marche correctement. Moi, je n'ai pas de problème avec les entreprises parce qu'elles savent que quand elles me viennent me voir, vous savez, les entreprises, des fois, elles vous invitent à manger. Bon. Avec moi, elles ont la chance, je vais manger et quand ils demandent l'addition, j'ai déjà payé avant. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas de ceci, cela. Je suis clair comme ça et même des fois, quand je reçois... Vous n'allez pas le dire, il ne faut pas le dire ça. Des bouteilles de champagne pour Noël, des fois, je les accepte, je les bois avec mon personnel. Il y en a des fois que je fais retour à l'expéditeur avec mes sincères condoléances. Donc, vos sincères condoléances? Oui, parce qu'ils me font chier. Je ne vais pas parler de langue de bois, parce que la dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un sur Aix, c'est parti voilà, au créneau. C'est tout. Et puis, les gens, quand ils viennent me voir, ils savent qui je suis, où je veux aller, je fais qu'un cadeau. Voyez. Alors, est-ce que là, vous pouvez nous aiguiller pour finir l'interview avec Maryse Joissin? Besson.
Besson. On y va à pied, on... Non, il vaut mieux aller en voiture. On va en voiture, bah, on va y aller ensemble. Allez, ça va, allez, c'est parti. Voilà. Bon, après, je vous interviewerai à vous un jour. Hein. Oh, bah, allez-y, on m'a déjà fait ça et... Allez, on y va. C'est parti au clash. Ouais, c'est pas trop dur alors quand même, en plein été, campagne comme ça. Vous ne serez pas mieux à la piscine. Eh oui, ce que vous aviez dit. Bon, ben on se rejoint là-bas. Tu t'en sors plutôt bien, j'ai rien contre toi. Mais qui aime bien, châtie bien. Y'a un truc qui me fait kiffer, c'est vos caisses qui sautent en l'air. Vous êtes des artistes de la mécanique ou vous avez rien d'autre à faire? À tourner dans les rues d'LA en sifflant les pillages. C'est la West Coast attitude, je mets tous les jours du H. Dans le studio, vous roulez des mégas, spiff de ganja, des chocos d'herbe pure.